Évidemment, c'est toujours le samedi après-midi que les enfants ont très mal aux oreilles. Juste au moment où les médecins de ville sont partis en week-end. Heureusement, à La Réole, il y a encore un bel hôpital public avec des urgences. Oui, mais la porte est fermée à clé. Que c'est bizarre. Et pourtant il est bien écrit, là-haut, que c'est ouvert jusqu'à 20h. Tu vois, maman, c'est ouvert jusqu'à 20h. Oui, mais personne ne répond, je vais donc utiliser ce téléphone blanc qui est là. Allô, je suis bien aux urgences de La Réole? Ah, non madame, vous êtes sur le 15. Les urgences de La Réole sont fermées. Ah bon? Les urgences sont fermées? Mais oui, depuis un bon moment déjà. Mais ma fille a très mal aux oreilles. Désolée. Faut l'emmener aux urgences de Langon. Mais, c'est à 20 km et j'ai les petits à la maison. Désolée. C'est comme ça. Débrouillez-vous pour l'emmener vous-même. Mais comment je vais aller à Langon? Débrouillez-vous. Prenez un taxi. Ah bon? Vous pouvez m'en envoyer un? Désolée madame. Le centre hospitalier sud Gironde a vécu toutes les mesures de suppression, réorganisation de services depuis des années. Ceci se caractérisant aujourd'hui par la fermeture de services comme la maternité et la chirurgie sur La Réole. Aujourd'hui, le projet de l'ARS aurait des conséquences dramatiques pour la survie même des deux sites de Langon et La Réole. C'est la raison pour laquelle est organisée cette manifestation, qui est le premier pas dans la mobilisation. Nous exigeons et exigerons toujours le retrait pur et simple de ce projet, la réouverture des urgences de La Réole 24h/24, ainsi que les moyens humains et financiers pour répondre aux besoins de la population. Pour nous, la CGT, la santé n'a pas de prix. Depuis sa création, la sécurité sociale n'a cessé de faire l'objet de mesures visant à sa destruction progressive par les idéologues du libéralisme intégral, au motif que ce qui ne rapporte rien au capital serait naturellement mauvais. Depuis sa création en 1946, il faut sans cesse lutter pour préserver l'essentiel des acquis rudement obtenus, il faut sans cesse réaffirmer la nature exacte de la sécurité sociale, de la retraite par répartition, de l'assurance chômage et tout le reste. Aujourd'hui, donc, on manifestait notamment parce qu'on est contre la fermeture des urgences de La Réole qui a eu lieu le 31 octobre, donc, puisque depuis le 1er, on a un service d'accueil de premiers soins qui est pour nous un service de dispensaire, quoi, avec un médecin de ville quasiment. Et donc, la population du Réolais n'a plus accès à un service d'urgence digne de ce nom. Donc, ça, on est totalement contre. Ensuite, il y a le problème de l'hôpital lui-même avec ses difficultés financières, comme tous les hôpitaux en France, et avec une dégradation des conditions de travail du personnel, avec un épuisement professionnel, avec beaucoup de maladies et d'arrêts de travail parce que les charges de travail sont trop importantes dans les services. Et on demande vraiment à ce que les pouvoirs publics, là aussi, la direction fait ce qu'elle peut, on le sait, malheureusement pas assez, mais bon, on n'obtient pas ce qui devrait être obtenu. Et on demande vraiment aux pouvoirs publics de financer correctement l'hôpital, de maintenir les lits pour la population, d'ouvrir des postes et de recruter des emplois pérennes et de titulaires de la fonction publique, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à avoir un service de soins de qualité et pour ouvert à tous et tout le temps. Voilà, c'était à peu près les deux revendications essentielles. Merci à vous. C'est la classe ouvrière qui a imposé la sécurité sociale. Ça n'a pas été octroyé par le patronat ou n'importe qui d'autre. Hein. Bon, il ne faut pas l'oublier. Deux ou trois ans après, de nombreux hommes politiques ont essayé de détruire la sécurité sociale. Donc, ne l'oublions pas. Donc, ce qu'il y a de grave actuellement, c'est que tout simplement, on fait disparaître les cotisations sociales. Or, les charges, vous savez ce qu'ils appellent les charges. Les cotisations sociales, c'est quoi? C'est tout simplement du salaire. Que ce soit des cotisations dites patronales ou salariales. C'est du salaire. Donc quand on supprime des cotisations sociales, le salaire diminue. C'est un salaire socialisé. Certains disent différé, mais peu importe. C'est du salaire. C'est-à-dire, on cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins.
Or, les complémentaires, c'est le contraire. On cotise selon ses besoins et on reçoit selon ses moyens. Faut pas oublier, les complémentaires, c'est du bonus-malus, comme pour les bagnoles. Donc n'oublions pas cela. Donc la sécurité sociale, c'est elle qui finance quand même le système de soins. Ne l'oublions pas.